Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est « J'ai peur de l'appel ». Je reprends « J'ai peur de l'appel ». Ah là 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 là. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, voisin, est-ce que tu es prêt? J'ai peur de l'appel. Alors qu'on était en prière cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler de cela. Parce qu'en fait, en réalité, plusieurs personnes sont appelées par le Seigneur. Et la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et vous devez vous rendre compte qu'en réalité, tous vous qui êtes ici présents, le Seigneur a déposé un appel sur votre vie. La première problématique, c'est de croire que tous les appels que le Seigneur a en réserve font partie des cinq ministères, ce qui est faux. La Bible dit que les cinq ministères sont les dons qui ont été donnés à l'Église pour l'édification des saints en vue de l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, pour qu'ils accomplissent eux-mêmes leur propre appel. Ça veut dire qu'il y a les cinq ministères que vous connaissez. Mais en dehors de ça, chacun d'entre vous a une vocation. Parce que tout le monde ne va pas être pasteur, tout le monde ne va pas être évangéliste, apôtre, prophète et docteur. Mais chacun d'entre vous, vous avez une vocation. Et même lorsque vous avez une vocation à prêcher l'évangile, il y a aussi des particularités. Est-ce qu'on est ensemble? Et plusieurs d'entre vous, en réalité, là où vous êtes, ce n'est pas là où Dieu vous attend. Là où vous êtes même, vous savez que vous êtes en retard. Et en réalité, c'est à cause d'une seule chose. Parce que tu as peur de l'appel. Je dis parce que tu as peur de l'appel. Écoute, il est normal. Et c'est pas une problématique. Hein, c'est pas une problématique. Juste, si tu peux, vous pouvez t'asseoir. Vraiment, exceptionnellement, c'est toi là. Là. Tu peux t'asseoir. Vraiment, exceptionnellement. Sous ordonnance, pastorale. Oui, tu profites bien. Et donc, plusieurs d'entre vous, vous avez l'appel sur votre vie. Mais vous avez peur de pouvoir réellement répondre à l'appel de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu rentres dans l'appel maintenant. Ça veut simplement dire que tu réponds à l'appel. Répondre à l'appel, cela veut dire disposer mon oreille à écouter ce que Dieu veut que je fasse et comprendre le processus par lequel il veut que je passe. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Quand tu réponds à un appel, ça ne veut pas dire que ce que la personne te dit au téléphone, tu le feras maintenant. Mais au moins, tu réponds à l'appel et tu disposes ton oreille à écouter. Écoutez, le moment où David va être oint par Samuel à l'âge de 17 ans, il va rentrer à la royauté à l'âge de 30 ans à peu près. Cela veut dire qu'il y a un bon nombre d'années qui séparent. Est-ce qu'on est ensemble? Entre l'appel et entre l'élection de l'appel, il y a un temps qui s'écoule. Mais plusieurs d'entre vous, vous avez peur de l'appel. Peur de ce que Dieu a mis sur votre vie. Peur des fois des songes, des visions que vous avez. Le Seigneur vient te visiter la nuit. Tu dis, hé Jésus, je ne veux pas voir ça. Le Seigneur vient t'apparaître la nuit. Tu dis, pas à moi Seigneur. Le Seigneur veut faire des choses au travers de toi. Mais tu te dis, non. Ça va être pour les autres. Ça va être pour le pasteur. Ou le Seigneur te dit, va évangéliser, va gagner des âmes. Tu dis, non, ça c'est pour les hommes de Dieu. C'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'appel qui est sur ta vie. Oh, je suis venu un peu te secouer ce matin. Je ne sais pas si tu seras fâché avec moi à la fin, mais je m'en fiche. C'est le dernier culte ici, donc je vais pousser encore un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier point que j'aimerais voir avec toi, pourquoi tu as peur de l'appel, c'est parce que tu te dis, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Lorsque Dieu vient te parler, la plupart du temps, tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Pas parce que tu vois, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu vois que l'appel est comment dire, ce n'est pas parce que tu as le focus sur les bonnes choses, mais tu as le focus sur les grandes responsabilités qui vont avec l'appel. Écoutez, moi je connais beaucoup de personnes, écoutez, je peux vous parler avec mon cœur ou pas. Je connais beaucoup de personnes qui savent dans leur cœur qu'ils doivent venir à Renaissance. Mais vous savez pourquoi ils ne viennent pas? Ils disent que le pasteur va trop me serrer. Le pasteur va être trop sur mes côtes. Je peux me plaindre hein, du lieu où je suis, mais au moins là où je suis, on ne me tigonne pas pour mon petit péché. On n'est pas tout le temps derrière moi, parce que je suis derrière toi, je te cote, vraiment je suis te cote, tu vois non, je ne vais pas te lâcher. Moi je ne suis pas les trucs de, non on vient à l'église comme tu es, oui tu viens comme tu es, mais tu repars autrement. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Et plusieurs personnes se disent que je n'ai pas envie de venir ici parce que je sens que quand je vois comment là, ah il prie ici hein, et tu te connectes sur les lettres, tu vois, les une heure de prière. Tu dis, une heure, on prie en langue comme ça. Tu dis, moi, je n'ai pas envie de pouvoir aller là-dedans parce que c'est un peu trop d'efforts, c'est un peu trop de trucs.
Il y en a, en fait, c'est parce qu'ils ont tellement pris un confort qu'ils préfèrent dire, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Il y a plein de gens qui ont envie de servir Dieu. Sauf que si tu finis ta vie sans pouvoir répondre à l'appel de Dieu, tu rougiras devant le tribunal céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Gédéon disait au Seigneur, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Des fois, tu commences à dire, « Mais Seigneur, mais quand Gédéon dit ça, il dit ça pourquoi? » Parce qu'il se compare, il compare sa famille, sa position avec les autres familles qu'il y a en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en d'autres termes, il est en train de dire, « Seigneur, oui, tu es en train de m'appeler, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes que tu peux appeler. » Et parfois, Dieu vient te voir et te dit, je veux que tu le fasses. Mais tu résistes énormément. Laisse-moi te dire une chose, tu ne pourras pas résister tout le temps. J'ai dit, tu ne pourras pas résister tout le temps. À un moment, l'appel de Dieu s'attache à ta vie. Quand ça s'attache à ta vie, ça peut s'attacher comme la folie. Tant que tu ne remplis pas la vocation à l'appel à laquelle Dieu t'a appelé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens un vide à l'intérieur de toi. Au premier lieu, c'est un vide pour que tu acceptes Jésus. Au deuxième lieu, c'est un vide pour remplir ta vocation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que tu te dis, mais il y a tellement de gens qui peuvent le faire. Moi, je suis peut-être ceci ou cela. Eux, ils sont mieux que moi ou mieux positionnés. Ou pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que j'ai encore envie de kiffer un peu. Oui, à ça aussi, tu sais que l'appel va te demander le jeûne et la prière. Tu sais que l'appel va te demander la consécration. Mais tu veux kiffer encore un peu. Tu dis, waouh, Damso a sorti son dernier album, il faut que j'écoute quand même. Hein? Waouh, et si Rihanna sort un prochain projet, il faut que j'écoute. Hein? Parce que si jamais je suis déjà consacré là, je vais me sentir mal si j'écoute. Oh. Donc j'ai envie de kiffer encore un peu. Je ne vais pas quand même arrêter les chichas d'aussitôt. Je ne vais pas arrêter les boîtes. De nuit, il y aurait même pas sanitaire pour nous... Oh, attends. Pour nous bâtir bon quoi. Donc pourquoi moi je vais me consacrer maintenant? J'ai envie encore de pouvoir tester des choses dans ma vie. J'avais envie d'aller à Amsterdam, d'aller voir la drogue, d'aller voir les prostituées. J'avais envie de kiffer encore un peu. Mais laisse-moi te dire que l'appel qui est sur ta vie te poursuivra toute ta vie. Que tu veuilles ou non, tu finiras par servir Dieu. Et je suis venu réveiller un homme et une femme ce matin pour te dire, mon ami, en montant, on descend. Si tu es ici à Renaissance, tu serviras le Seigneur. Oui, 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 oui. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je me rappelais, il y a 10 ans de ça en arrière, j'étais dans ma chambre, il était environ 1h du matin, et je suis là intercédé pour le réveil. Je dis, Seigneur, le réveil, envoie un jeune qui pourra toucher les cœurs. Seigneur, envoie quelqu'un qui parlera à cette génération. Rababa, je sautais comme ça. Oh, j'imprimais la carte de la Guadeloupe, je mettais sur mes pieds, et je disais, Seigneur, je marche sur la carte de la Guadeloupe, tout comme l'Éternel se lève et marche. Hé, hey! À l'époque là, tu veux savoir quel âge que j'avais? J'avais 15 ans. Donc j'étais en train de prier toute la nuit comme ça. Seigneur, envoie, envoie, envoie. Je t'assure que Dieu m'entende. Vraiment, je n'étais pas en mode, ce sera moi. Et un moment, le Seigneur m'a dit, envoie. Il m'a regardé comme ça. C'est comme si tu arrives, tu es à la maison, il n'y a pas de pain. Tu dis, mais il n'y a pas de pain. Tu dis à ton maman, il n'y a pas de pain. Où est le pain? Il n'y a pas de pain. Ben, achetez pain là. Puisque c'est vous qui appelez, vous qui n'avez pas ni pain. Allez, achetez pain là. Est-ce que tu vois ou pas ce que je veux dire? Dites-moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Deuxième point, c'est lorsque tu ne veux pas faire face à l'adversité. Ah, est-ce que je peux pousser ou pas? En réalité, ce n'est pas que tu ne crois pas que tu n'as pas l'appel. Ce n'est pas que tu te dis que je n'ai pas l'appel, je ne pourrais pas le faire. C'est que tu as peur de l'adversité qui va se trouver en face de toi. Oh, tu sais que les gens vont mal te regarder. Tu sais que les gens vont te critiquer. Tu sais que les gens vont te médire. Et tu veux que je te dise une chose. Parfois, ça va commencer dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Oh, c'est ta propre famille qui va te dire pour qui tu te prends. Hein? On a grandi ensemble. Nous-mêmes, on a changé tes petites fesses. Pour qui tu te prends? Nous-mêmes, on t'a déjà vu avec du caca dans tes couches. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends toi aussi, tu veux répondre à l'appel? Pourquoi ce serait toi que tu appelles et pas nous? Pourquoi ce serait toi que tu es qualifié et pas nous? Parce que tu as peur de l'adversité. Tu te dis, mais si jamais je décide de servir le Seigneur, les gens dans ma famille qui, eux, ont renoncé à l'appel, vont vouloir me forcer à renoncer à l'appel. Pourquoi le premier point dans faire face à l'adversité, le premier point, c'est parce que tu n'aimes pas le fait d'être trouvé différent. Écoute, je n'ai pas peur d'être pasteur et de prêcher en jean déchiré. I'm not afraid.
Je n'ai pas peur d'être pasteur et être en t-shirt. C'est pas ça là qui réduit l'onction. Il y a pas. Oh, je n'ai pas peur d'avoir des baskets. Je n'ai pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas peur de kiffer ma vie. Je n'ai pas peur d'être un pasteur différent. Pourquoi? Parce que l'appel que Dieu m'a donné est différent. Pourquoi je vais commencer à regarder que, oh, mais lui, s'il ne fait pas ça et moi, je fais ça, je vais sortir de la mêlée. Je ne suis pas pareil qu'eux. Je suis venu sur terre avec une unicité, avec quelque chose d'unique. Je repartirai avec cette chose qu'il y a unique à l'intérieur de moi. Tu n'as pas à avoir peur d'être différent. Je vous assure, souvent, je me trouvais différent. Donc, quand j'avais dans des entretiens d'embauche, je me rendais compte que je ne correspondais pas au profil parce que j'avais trop de... J'étais un peu avec trop de parcours et de trucs accomplis, tu vois. Donc, je me dis, mais pourquoi ce n'est pas seulement dans tel domaine? Pourquoi vous avez fait ça, ça, ça et ça? Tu sais pas, les gens n'arrivent pas à te mettre dans une case. Ils n'arrivent pas à te mettre quelque part. Quand tu me regardes, tu dis, il est pasteur, il est prophète, il est quoi? Tu n'arrives pas à me mettre dans une case. Pourquoi? J'ai pris la décision de pouvoir assumer ma différence. Et souvent, tu ne veux pas faire face à l'adversité parce que tu as peur d'être différent. Tu as peur de sortir de la mêlée. Pourquoi? Parce que celui qui est différent se fait remarquer. Et il y a des gens qui n'aiment pas se faire remarquer. Et il y a des gens aussi qui vont te dire que quand toi tu réponds à l'appel, c'est que tu veux te faire remarquer. Bien aimé, je me rappelle, il y avait tout le temps des gens qui voulaient me faire croire que... Écoutez, il y avait tout le temps des gens pour pouvoir me faire croire que j'étais un orgueilleux. Et je vais te dire une chose. Orgueilleux, là, tu réponds quoi à ça? Tu ne peux pas dire, quand on te dit tu es orgueilleux, tu ne peux pas dire, je ne suis pas orgueilleux. Parce que si tu dis que tu n'es pas orgueilleux, c'est que tu es orgueilleux. Est-ce que tu vois ou pas? Et j'avais tout le temps ce truc-là au fond de moi. J'étais mal parce que je me disais, ah mais moi j'ai envie de servir Dieu tout simplement. Et tu sais, je vais te dire une chose. Des fois, les gens te stigmatisent à cause de leur propre insécurité. Je dis que les gens te stigmatisent à cause de leur propre insécurité. Ils te disent que tu es orgueilleux parce qu'ils n'ont pas d'estime en eux-mêmes. Ils te disent que pour qui tu te prends parce qu'eux-mêmes se voient plus bas que terre. Parfois, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas que toi tu te vois trop grand, c'est eux qui se voient trop petits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, tu as peur d'être différent. Tu as peur de te dire, mais je suis différent. Je ne suis pas comme les autres. Gloire à Dieu que tu n'es pas comme les autres. Parce qu'il y a des gens particulièrement à qui tu répondras lorsque tu parleras. Lorsqu'ils entendront ton témoignage, ils vont dire, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, mais son témoignage m'a parlé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses, mais ce que lui, il dit là, ça touche mon cœur. Imagine si j'avais eu peur d'être différent. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Je dis, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Je n'ai pas peur. Quand on a mis les murs noirs, les gens disent, les murs noirs? Parce que les murs noirs, le noir. Mais toi, tu es noir, tu n'as pas vu? Donc si le noir là est mauvais, c'est que bon, oui, théoriquement, tu es marron, on est d'accord. Mais tu t'approches de ça. Ok, s'il y a un problème avec ça, est-ce que tu as un problème avec ça? Et moi, j'aime bien parce que le noir fait ressortir la lumière. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un prophétiquement que le noir que tu vis dans ta vie te permettra de faire ressortir la lumière. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres qui sont en train de t'entourer vont faire ressortir la lumière de l'Éternel sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis, est-ce que je peux prêcher? Et c'était le cas de Élie. Élie était le seul prophète qui s'est levé à ce temps-là. Ça. Et il dit, je suis resté moi seul comme prophète. Et comme lui seul est resté, quand Jézabel doit tuer quelqu'un, c'est lui seul qu'elle va chercher à tuer parce que c'est le seul qui est resté. Des fois, tu vois Jézabel qui est là. Écoutez, j'avais une crainte dans mon cœur pendant longtemps. Parce que quand je grandis aux Antilles, les deux choses que les gens connaissent, c'est la pastorale et l'évangélisation. À 8 ans, je vais au ciel. Le Seigneur m'amène visiter le ciel. J'ai des visions eschatologiques, j'ai des choses comme ça. Et quand je regarde les gars qui étaient là, moi, je me dis, si je leur raconte ça, ils vont me dire que tu es ma boule. Tu vois, tu n'es pas bien. Et j'avais une crainte. À un moment, je me rappelle ici, je me disais, Po, quand je suis arrivé, je suis venu avec les messages dangereux. Tu entends ça, tu dis que, est-ce que c'est la vérité? Tu vois ou pas? Parce que tu n'as jamais l'habitude d'entendre ça. Et puis à un moment, j'ai dit, non, tu sais quoi? On va s'assumer soi-même. Et on va vivre ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Écoute, je t'assure, quand tu vois, regarde comment j'adore. Je gesticule, c'est moi et c'est pas grave. Je sais que Dieu aime ça quand je gesticule comme ça. Il dit,
dit, ouais, vas-y. Ouh, tu vois. Il dit, non, c'est ça là. Dieu ne m'en veut pas quand je gesticule comme ça. Au contraire, il dit, mais c'est comme ça que je t'ai fait. Sinon, regarde toi-même, quand tu vois, quand tu viens le dimanche, tu vois le truc, tu es là comme ça. Tu es beau, oui. Tu vois, mince. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité. Et tu ne dois pas refuser ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Des fois, je fais des choses, je me dis, mais Seigneur, mais est-ce que les gens vont comprendre? Je me dis, mais même s'ils ne comprennent pas, à un moment, je dois moi-même assumer l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Oui, je t'assure. Est-ce que les gens ne m'ont pas méprisé? Oui, les gens m'ont méprisé. Les gens disaient à d'autres gens, oh, mais c'est un jeune, pourquoi tu vas dans son église? J'avais envie de dire, pose-toi toi-même la même question. Je vais rester là. Non, vous voulez que je pousse quand? Je t'assure. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. À l'heure actuelle, j'ai dû mourir à moi-même et comment dire, devenir impassible face à ce que les gens disent. Parce que les gens m'ont dit des choses. Hein. Même certains d'entre vous qui aujourd'hui me respectaient beaucoup, vous m'avez dit des choses dans mon bureau. Hein. Beaucoup m'ont manqué de respect. Je dis, on fait comment? C'est ça. L'appel qui est là, les gens ne le comprennent pas. Mais ensuite, quand leurs yeux s'ouvrent, ils disent, ah, j'avais pas compris. Et ensuite, les gens commencent à dire, ah, comme Jésus. Jésus, à un moment, quand il dit, vous devez boire mon sang, manger mon corps, les gens fuient. Et Jésus demande aux disciples, pourquoi vous êtes là, vous? Les disciples disent, tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Quand Jésus a marché sur l'eau, ils ont pris Jésus pour un fantôme. Jusqu'à ce que Pierre demande à ce qu'il aille dans la même dimension que Jésus. En fait, j'ai compris une chose. Lorsque tu commences à devenir étrange, il y a des gens qui sortent, qui resteront dans la barque et des gens qui viendront marcher sur les eaux avec toi. Je dis que lorsque tu commences à devenir étrange, il y a des gens qui resteront dans la barque et il y a des pierres qui viendront marcher sur les eaux. Ils vont dire que si c'est vraiment toi, je veux faire aussi comme toi. Si c'est vraiment de Dieu, je veux accomplir ça aussi. Je veux pouvoir avoir la gloire de Dieu qui m'environne de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ne pas vouloir faire face à l'adversité, il y a vouloir éviter la jalousie. Est-ce que je peux pousser? Tu es sûr ou pas? Genèse chapitre 37. Genèse 37. Tu l'as mis? Ok. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres parce qu'il l'avait eu dans sa et il lui fit une tunique de plusieurs. Verset suivant. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec. Ok, reste là, reviens. Premièrement, la problématique change. La problématique, premièrement, qu'ils avaient, c'est que Joseph était aimé de son père. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est la faute de Joseph que son père l'aime? Des fois, les gens vont commencer à te jalouser pour des choses que toi-même, tu ne sais même pas. Les gens vont commencer à te jalouser pour des choses que toi-même, tu ne doutes même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, je vais te dire une chose. Les jaloux te donnent une bonne leçon dans la vie. Tu veux savoir pourquoi? Est-ce que je peux pousser ou pas? Non. Je dis, les jaloux te donnent une bonne leçon dans la vie. Parce que souvent, ils commencent à te jalouser pour des choses que tu ne vois pas chez toi et tu finis par te rendre compte de qui tu es vraiment. Au départ, quand ils te jalousent, tu te demandes, mais pourquoi ils me jalousent? Quand les éléments sortent, tu dis, mais je ne savais pas que j'avais autant de choses à l'intérieur de moi. En fait, c'est toi qui es en train de te minimiser, mais le jaloux ne te minimise pas. S'il te jalouse, c'est qu'il a vu quelque chose chez toi qui est plus grand que chez lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, le jaloux, c'est une bonne leçon. Le jaloux te dit peut-être que toi-même tu te sous-estimes. Le jaloux, écoute, à un moment, tu dois finir par comprendre pourquoi les gens sont jaloux. Au début, tu ne comprends pas et finalement tu dis, je comprends. Non, je comprends. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je sens que là, le Seigneur a bien travaillé. On sent qu'il a pris son temps. Il n'a pas bâclé le dessin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le Seigneur a mis les dons à l'intérieur de moi, je sens qu'il a versé et puis il a versé. Donc, je comprends. Je comprends de voir que, oh, quand il voit comment le Seigneur te fait grâce de pouvoir avoir une démarche si voluptueuse et eux, ils marchent un peu braque, je comprends.
Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis que quand il prêche, peut-être que les gens s'endorment. Mais quand toi tu vas prêcher, les gens vont sentir le feu de la part de Dieu. Donc, je comprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mon frère et ma sœur, quand ils voient qui est-ce que tu as épousé et eux qu'ils ont épousé, je... Oh, est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si le Seigneur m'a fait bien? C'est pas de ma faute. Il y en a qui savent danser, il y en a qui savent pas danser. Est-ce qu'à cause de ceux qui ne savent pas danser, tu vas arrêter de danser? Est-ce qu'à cause de ceux qui ne savent pas chanter, tu vas arrêter de chanter? Oh, j'ai dit, je comprends. Quand ils entendent comment tu parles en langue, Zlakate Reba ou Shakata, ils disent que ça c'est qu'elle parle en langue. Donc tu dis, je. Au départ, tu ne comprends pas le jaloux, mais tu finis par le comprendre. Parce que écoute, je ne comprends pas je ne comprenais pas la haine de certains hommes de Dieu. Mais quand je vous regarde, je comprends. Je comprends. Parce que quand ils voient l'église, quand ils voient Renaissance, quand ils voient comment vous êtes frais, vous êtes beau, quand ils voient comment vous kiffez votre vie, vous êtes chrétien mais vous n'êtes pas coincé, vous êtes chrétien mais vous n'êtes pas de ça. Je comprends. Oh, 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 oh. Quand ils voient les médias, je comprends. Quand ils voient la louange, je comprends. Je dis, je comprends. Oui, il y a des jaloux, mais il faut les comprendre aussi. Oui, il faut les comprendre. À un moment, tu dois aller voir le jaloux, tu dis, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que la grâce imméritée que j'ai reçue met dans ton cœur de l'amertume. Donc, je comprends. Et moi, j'aime Joseph, hein, parce que vous savez, regardez. La Bible nous dit ici que Joseph a reçu de la haine de la part de ses frères. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? La Bible nous dit qu'il a reçu de la haine de la part de ses frères. On est OK là-dessus. OK, tu as déjà reçu de la haine de la part de tes frères parce que ton père t'aime et qu'il t'a donné une tunique. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Donc, tu sais déjà que tes frères ne t'aiment pas. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Verset suivant. Joseph eut un songe. Et pourquoi? Joseph, pourquoi tu racontes ton songe? Tu sais qu'il ne t'aime pas. Parce que Joseph comprend. Joseph a envie de leur dire, Zopo, fin jaloux. Non. Et je suis en train d'annoncer qu'ils n'ont pas fini d'être jaloux. Je dis, ils n'ont pas fini d'être jaloux. Je dis, la bénédiction de Dieu qui viendra sur toi en cette saison. Ils n'ont pas fini d'être jaloux. Ils n'ont pas fini d'être jaloux. Oh. À un moment, écoute, je t'assure, je suis arrivé à un stade de ma vie, tu me traites d'orgueilleux. Ça ne me fait rien du tout. Vraiment, moi, ok, pourquoi je vais m'arrêter sur les gens qui ne m'aiment pas alors qu'il y a des gens qui m'aiment? Pourquoi je vais m'arrêter sur les gens qui me haïssent alors qu'il y a des gens qui m'aiment? Pourquoi je vais m'arrêter sur les gens qui te disent, oh, est-ce qu'il y a vraiment Dieu là-bas et je vois vos témoignages? Pourquoi je vais m'arrêter sur ceux qui m'ont quitté alors qu'il y en a qui sont restés? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis en train de te parler pour te dire à un moment, tu dois comprendre aussi. Tu dois pouvoir dire, mon ami, on monte, on descend, ça ne change pas. Je sais qui je suis. Je sais ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Écoutez, vous, les gens qui me connaissent. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je dis, je ne sais pas. Je dis que tel homme de Dieu, il a plus ça. Je dis, tel homme de Dieu, lui, c'est son truc. Tel homme de Dieu, lui, c'est son truc. Je le dis. Pourquoi? C'est ça l'humilité, de savoir qui tu es. Pas au-dessus, pas en bas, de savoir qui tu es. Ce n'est pas de s'écraser, de faire une fausse humilité, de, oh non, ah, oh, le Seigneur est bon. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mon ami, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de pouvoir vivre une vie sur terre qui ressemble au royaume des cieux. Non, tu fais le choix que tu veux. Moi, je fais le choix que je veux. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Regarde, je te donne un exemple. Les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, tu veux réussir dans tes entreprises. Parce que oui, l'argent, c'est le mal. Donc, si tu es chrétien, sois sur l'éternité. Oui, mais en attendant, la Bible dit que le paresseux ne sort pas prendre son gibier. Hein? Il reste là, il attend que la nourriture vienne jusqu'à lui. Il faut que tu manges, mon ami. Et puis à un moment, tu manges, mais tu dois décider aussi de mieux manger. Tu as le droit.
Je dis, tu as le droit. Il faut arrêter de laisser la religiosité vous stigmatiser l'esprit comme ça. Tu as le droit de manger des langoustes. Tu as le droit de manger du cabri local, du cochon local. Je dis, tu as le droit. Je vous dis, je parlais hier, je parlais avec Didier, il me disait, est-ce que la France, ça ne te manque pas? Je lui dis, la France, ça me manque parce que en France, vraiment, il y a des restaurants qu'il n'y a pas ici. Je lui dis, mais bon, à cette époque-là, je n'avais pas de sous pour aller manger au restaurant. Ça veut dire quoi? Je savais accepter cette saison, mais si le Seigneur me fait grâce d'être dans une autre saison, pourquoi je vais refuser? Il n'y a que l'orgueilleux qui veut faire semblant d'être humble. Oh, les orgueilleux aiment faire semblant d'être humble. En mode, non, moi, je suis humble. Non, 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 mon ami. L'humilité, c'est de pouvoir reconnaître qui tu es vraiment. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Alors il dit, il raconta, et il, vas-y, remets. Et il leur raconta à ses qui le haïrent encore, davantage. My God. Donc Joseph est au courant que ses frères le haïssent. Mais il raconte encore ses rêves. Écoutez, tu ne dois pas fuir l'adversité. Dis ça à ton voisin, tu ne dois pas fuir l'adversité. Tu veux savoir pourquoi? C'est l'adversité qui te fera rentrer dans le plan de Dieu. Je dis, c'est l'adversité qui te fera rentrer dans le plan de Dieu. Je vais t'expliquer. Si Joseph ne raconte pas le rêve à ses frères, l'activation du rêve ne vient pas. Parce que pour qu'il vende Joseph, il faut qu'il soit au courant que Joseph a un grand destin. Sans le savoir, là où ils pensaient le mettre sous terre, ils étaient en train de le planter pour qu'il pousse mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans le savoir, là où il pensait qu'en le rejetant, ça allait faire de lui quelqu'un de rejeté, il prenait juste de l'élan pour mieux repartir. Le fait que Joseph avait été placé dans la citerne, c'était le bon endroit pour qu'il soit vendu aux Ismaélites. Et c'était le bon endroit pour qu'il soit vendu ensuite à Potiphar. Et c'était le bon endroit pour que la femme de Potiphar l'accuse. Et c'était le bon endroit pour qu'il soit en prison. Parce qu'en prison, il y avait un homme qui était proche de Pharaon. Si jamais il n'y avait pas eu l'adversité, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Tu dois bénir l'adversité. Oh, 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 je dis, tu dois bénir l'adversité. Je te pose une question. La Bible me dit que Jésus pria toute la nuit pour choisir les disciples. Tu penses qu'il ne savait pas qui était Judas? Est-ce que tu penses qu'il ne savait pas qui était Judas? Mais il savait que Judas était dans le plan de Dieu. Écoutez, les hommes de Dieu savent bien des fois le cœur de ceux qui sont avec eux ou pas. Ils le savent très bien. Mais ils ne vont pas partir dans des choses parce qu'ils savent que leur élévation viendra aussi de cela. Écoute, leur élévation viendra aussi de la douleur et de la souffrance. Leur élévation viendra aussi de la trahison. Leur élévation viendra aussi des mensonges. Leur élévation viendra de tout cela. Il dit, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Tu n'as pas de marchepied si tu n'as pas d'ennemis. Je dis, tu n'as pas de marchepied si tu n'as pas d'ennemis. Tu as besoin d'ennemis dans la vie. Tu as besoin d'eux. C'est eux qui sont ton tremplin pour la prochaine étape. Je dis, tu as besoin de quelqu'un qui ne t'aime pas dans le travail. Parce que comme il ne t'aime pas, il te surveille, tu travailles mieux. Tu dis que façon, mais c'est ta vie. Moi, donc, il travaille plus encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, des fois, la sœur est dans l'église. Tu veux aller vers la sœur, mais tu hésites. Tu as besoin que notre frère rôde autour de la sœur pour pouvoir aller. Oh, je dis que des fois, tu as besoin de ça. Quand le frère commence à tourner autour de la sainte, tu fais hey, 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 hey. Non, l'Éternel a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin des fois de ça. C'est l'adversité qui te réveille. Tu dois rendre grâce au sorcier parce qu'en ce moment, tu dors trop la nuit. Quand ils viennent te chicoter comme ça, tu dis. Pourquoi? Parce que c'est l'adversité. Est-ce qu'on est ensemble? Tiens, ton voisin ne cherche pas à éviter la jalousie. Est-ce qu'on est ensemble? Là, c'est le troisième point. Le poids du passé. Le poids du... Il dit le poids du... Regardez. Quelqu'un s'est retrouvé dans la même situation que vous. Acte 9, 10 à 14. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici... Ok, vas-y, avance. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc, il parle de Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Car il prie. Il dit, car il...
Seigneur lui dit, va là-bas car il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Vas-y, avance. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc au moment où Saul de Tarse a rencontré Jésus, il a été rendu aveugle. Il a une vision d'un homme qui s'appelle Ananias qui est là, qui allait lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Est-ce qu'on est ensemble? Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots. Dis avec moi tous les mots. Que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est fini? Il y a un dernier verset. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent. Donc, il dit, j'ai appris de personne tous les maux ou tout le mal que cet homme a fait. Écoute, parfois tu dois répondre à l'appel de Dieu. Mais malgré que le Seigneur t'a touché, il y a des gens qui ne croiront pas en ton changement. Il y a des gens qui ne croiront pas que tu as réellement avancé. Il y a des gens qui... Il y aura le poids de ton passé sur ta conscience. Tu te diras, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que il est possible pour moi maintenant de pouvoir répondre réellement à l'appel de Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Il y a toujours un Ananias qui finira par croire en toi. Toujours quelqu'un qui finira par te réouvrir les yeux et pouvoir te dire que oui, tu as un passé, mais moi je crois en toi. Parce que le Seigneur m'a déjà prévenu que tu étais un des élus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le poids du passé ne doit pas être trop... En fait, écoute bien. Le poids d'avoir envie de servir Dieu doit être plus lourd que le poids de ton passé. L'envie, le poids du zèle que tu as pour l'évangile doit être plus lourd que le poids de ton passé. Tu dois pouvoir avoir une plus grande envie que ton passé. Pourquoi? Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas grave. Les gens ne te croiront pas tout de suite. Les gens n'investiront pas tout de suite en toi. Les gens ne diront pas tout de suite qu'effectivement ça va marcher. Et ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que demain, ils te donneront raison. Écoute-moi bien. Le temps définit les choses. Je dis, le temps définit les choses. Lorsque un arbre est des fois qu'au niveau de l'arbuste où il y a juste la germe qui est sortie, on ne peut pas savoir quel genre de fruit qu'il va porter. Sauf si on n'est pas un très grand expert, on ne fait pas des analyses. Tu ne peux pas savoir. Tu dois attendre qu'il pousse. On voit le tronc, on voit l'écorce, on voit les feuilles. Et ensuite, le fruit vient nous confirmer. Parce que même dans le fruit, il y a différentes variétés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire que le temps va te donner raison. Je dis, le temps va te donner raison. Le temps va te donner raison. C'est comme les hommes, au départ, regarde, quand tu as un visage d'enfant, les gens ne savent pas. C'est un garçon, c'est une fille, mais la barbe te donne raison. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mesdames, le corps te donne raison. En tout cas, ah ouais, c'est une fille, c'est une fille. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le temps te donne raison. Je vais vous parler ce matin. Et je vais vous dire réellement, des fois, comment il faut avoir du courage et croire en ce que Dieu dit en vous. Écoutez, il ne faut pas croire. Moi, je connais de beaucoup de personnes que quand on a commencé l'église, c'est eux qui disaient à d'autres personnes de ne pas aller. C'est eux qui disaient, oh non, ceci, oh non, cela. C'est eux qui avaient tous des regards sur moi. Maintenant, je vois leurs likes sur les publications. J'ai envie de mettre j'aime à leur j'aime. Et commenter, j'ai vu. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Je ne les en veux même pas. Parce que les gens ne croiront pas en toi au début. En fait, tu sais ce que les gens attendent? Le temps. Est-ce que ça va marcher sur le temps? Eh bien, laisse-moi te dire qu'on va serrer les dents, on va avancer, ça va marcher dans le temps. Oh, regarde, quand tu veux rentrer dans ton mariage, les gens disent, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher, on va avancer. Tu lances ton entreprise, est-ce que réellement ça va fonctionner? Ça va fonctionner. Toi-même, tu vas venir acheter ici. J'ai dit que ça va fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas grave, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Toi, crois en ce que Dieu a dit à l'intérieur de toi. Et que si tes autorités même sont d'accord, Dieu est d'accord, ça sert à quoi de pouvoir avoir peur de cela? Pourquoi? Parce que tu sais ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Écoute. Tant que tu chercheras à ce que les gens puissent croire en toi, tu n'arriveras jamais à accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu seras focalisé pour accomplir des choses que les gens attendent de toi et pas ce que Dieu attend de toi. Tu seras focalisé pour pouvoir faire ce que les gens attendent de toi et pas là où Dieu t'attend. Sois focalisé sur là où Dieu t'attend et Dieu va te bénir là où tu dois aller. Ah là là. On m'a dit, oh non. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Vas-y. Fais que des lives. Parce que tu vois, en ce moment, c'est difficile, les églises. Je dis que chacun a entendu Dieu lui parler.
J'ai continué à croire. Depuis, ceux qui sont là à l'église depuis l'année dernière, vous avez vu depuis le confinement de l'année dernière, jusque-là, nous avons continué à croire que Dieu est toujours là et qu'il fait avancer son œuvre. La Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Je peux avancer? Donner un dernier point? C'est mon dernier point. Regardez à ma condition. Lorsque tu regardes à ta condition. Juges chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles et où sont tous ces prodiges que nos pères nous, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Lorsque Gédéon est en train de parler ici, il est en train de dire que « Seigneur, tu veux délivrer Israël maintenant de la main de Madian ?» Pourtant, on entend des histoires que « Oui, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Mais regarde dans quelles conditions on est maintenant. Alors Seigneur, est-ce que je pourrais croire en ce que tu me dis alors que maintenant on est dans une condition qui ne correspond pas à ce que tu dis? Je vais te dire une chose. Dieu ne te parlera jamais de comment tu es, mais comment il te voit. Dieu ne te parle pas de comment tu es. Quand il s'adresse à toi, il dit que tu es quelqu'un de saint, même quand tu es dans l'impureté. Pourquoi? Il veut annoncer la sainteté sur ta vie. Je peux pousser ou pas? Tu n'as jamais remarqué que quand un homme de Dieu te prophétise que la richesse arrive, tu es pauvre. Pourquoi? Parce que les pronostics de l'Éternel viennent à l'encontre des pronostics de la réalité que tu es en train de vivre. On te prophétise le mariage, c'est que il n'y a personne qui vient vers moi. Pourquoi? La parole de Dieu vient à l'encontre de ce que les hommes disent de toi. On prophétise que tu es quelqu'un de prière, pourtant tu dors beaucoup la nuit. Moi je me rappelle, écoutez, franchement je vous dis, cette semaine-ci, je me suis assis. Et je me rappelle, j'avais été dans une église et l'homme de Dieu avait prié pour moi. Et en plus un gars grand comme ça, avec des grandes mains. Il avait saisi ma tête avec ses deux mains. Ses doigts se rejoignaient tellement ses mains étaient grandes. Et il avait un accent ivoirien. Tu seras un homme de prière. Tu seras un homme de prière. Hé, papa, moi je dors la nuit. Et puis il prie sur moi. Il prie, il déclare, tu seras un homme de prière. Dit, hey! Il a vu un truc que moi je n'ai pas vu. Parce que de toute façon, elle galère, tu vois ou pas? Et puis deux coups comme ça, j'ai vu que vous en êtes en moi l'envie de la prière. J'ai fait que vous en êtes en moi le feu pour la prière. Mais ça me prend comme ça. Je suis là. Je regarde un truc, un YouTube, un Netflix, ça me dit rien. Je ferme, je mets une petite musique et je dis Rabba Shekete, Robo Sholokoto, Rabababosha, Lekata Rabosha. J'ai un peu de temps, je vais aller à la montagne. Pourquoi? Je veux me mettre un peu à part parce que j'aime ressentir sa présence sur moi. J'aime ressentir, je vous assure, je sens des fois l'onction de Dieu qui est sur moi. Je sens que comme si je suis en train de partir. Je dis j'aime ça, je veux encore ressentir ça encore un peu. Je veux encore ressentir sa présence, je veux encore le vivre. Il a déclaré quelque chose sur ma vie que moi-même je ne voyais pas. On te dit, oui, tu vas prêcher l'évangile. Quand tu parles, toi-même, tu fuis. Mais comment moi, je prêche l'évangile? Alors que quand je parle, regarde, on dit à Moïse qu'il va aller parler. J'aime trop. Dieu dit à Moïse, tu vas aller parler à Pharaon. Moïse dit, mais pourquoi tu es agressif? Il dit, va parler à Pharaon. Il dit, mais je suis bègue. Si je vais aller devant le gars va rigoler. Les mages autour de lui vont rigoler. Tu t'imagines? Il s'avance. Bam! Les gens sont là. Waouh! Il vient. Si parle l'Éternel. C'est pour ça. Les gars vont commencer à se voir. Et j'imagine les mages. Quand les mages doivent avoir ça en plus, ils doivent l'imiter. Tu vois ou pas? Donc le gars se dit que Dieu me dit d'aller parler à Pharaon, mais moi-même je bégaye. Si Pharaon me voit comme ça, est-ce qu'il va m'écouter? Jamais! Dieu est trop fort. En fait, dans ton incapacité, Dieu t'élève. Suis-moi bien. Dans ton incapacité, Dieu t'élève. Moïse met un problème. Il dit, je suis bègue. Je ne peux pas parler à Pharaon. Dieu lui dit, c'est bien. Tu es bègue. Mais tu as un frère là qui parle bien. Aaron. Il lui dit, je te ferai. My God, écoute. Là où Moïse va voir Dieu comme un serviteur. Est-ce qu'on est ensemble?
Non, tu ne connais, tu ne vois pas bien l'histoire. Moïse va voir Dieu comme un serviteur. Et il repart de la présence de Dieu comme un Dieu. Dieu lui dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. C'est l'incapacité de Moïse qui a amené son élévation. Des fois, tu penses que ce que tu n'arrives pas à faire te disqualifie, mais cela te qualifie à aller beaucoup plus loin avec Dieu. Moïse disait, mais moi, je ne pourrais pas parler. Il lui dit, Aaron sera ton prophète. Tu imagines un peu la scène. Il arrive devant Pharaon et Moïse a envie de parler. Mais Moïse ne parle pas à Pharaon. Il parle à Aaron. Et Aaron traduit. Tu t'imagines la douleur de ça? Comment Pharaon doit se sentir? Que Jean-Moïse est tellement grand que Moïse ne lui parle pas. Moïse parle à un prophète qui veut bien lui parler. Est-ce que tu parles, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois comprendre que ton incapacité fait que Dieu peut te qualifier. Ne vois pas ce que tu n'as pas. Ne vois pas, arrête de regarder à ce que tu n'as pas, ou défaut que tu as. Oui, mais je suis trop ceci. Oui, mais je suis trop ceci. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que toi tu as. Il y a des gens qui vont voir ce que toi tu as. Il y a des gens qui vont estimer ce que toi tu as. D'autres gens ne voient pas ta valeur, mais d'autres personnes verront ta valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Et j'aimerais terminer sur un passage de Timothée chapitre 1, verset 6. De Timothée 1, verset 6. Ok, il dit, c'est pourquoi, on va lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de... Ok. Il y a un don que Timothée a dans sa vie qui ne vient pas de lui, mais qui vient de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il dit. Un don que tu as reçu par l'imposition de même. Ça veut dire que ce don que Timothée manifeste ne vient pas de lui. C'est ce qu'on appelle l'impactation ou le transfert. Ce qu'il a ne vient pas de lui. Vient de l'apôtre Paul qui lui a imposé les mains. Est-ce qu'on est ensemble? Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Avec moi, ranimer. Et il utilise un terme. En fait, le terme grec pour ça, c'est anazopureo. Anazopureo. Dis-moi avec moi, anazopureo. Ça veut dire rallumer. Enflammer son... Ranimer ses forces et son... Cela veut dire que tu as la capacité d'enflammer ton esprit. Des fois, écoute, tu as peur de l'appel, tout simplement parce que tu as éteint ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Des fois, les circonstances de la vie t'ont amené à éteindre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais tu dois passer dans cette saison où le Seigneur rallume ce qu'il y a en toi. Et toi-même aussi, tu te mets dans la disposition où tu rallumes le feu, tu enflammes ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, j'ai peur de l'appel. J'ai peur de faire réellement ce que tu m'appelles à faire. J'ai peur réellement de pouvoir te servir. J'ai peur réellement d'être à la hauteur. J'ai peur, Seigneur. Mais je t'assure, alors que tu as la peur, le Seigneur change cela. Mais le verset 7 qui vient juste après, je ne l'avais même pas noté, mais je sais qu'il y a un très bon verset qui vient juste après. De Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'était mon message pour vous ce matin. Alléluia.